Bonjour. Bonjour. Vous êtes vendeuse à Saint-Maclou ? Oui, je suis vendeuse. Ça fait 5 ans que je suis ici sur ce site. Je suis spécialisée en moquette. Je suis gestionnaire du stock. D'accord. Donc je m'occupe de tout ce qui est approvisionnement de moquettes, entre autres, des PVC. Et les moquettes viennent de quelle destination généralement ? Plutôt européenne ? Les moquettes, il y a des moquettes européennes, il y a des entre autres françaises, il y a des qui viennent de l'étranger aussi. Est-ce que vous avez de la moquette chez vous ? Chez moi, je n'ai du parquet, du stratifié. Vous vendez plus de moquettes, plus de parquet ? Là, c'est plus la tendance moquette qui est revenue depuis 2 ou 3 ans, donc on a un gros boom. Ce sera plus des moquettes, assez douces, comme celle-ci, qui est qui est notre numéro 1, qui est douce, avec des poils, vous pouvez toucher, très douce. Et est-ce que vous vendez des moquettes avec des vrais poils, hein, des poils d'animaux ? Oui, nous avons des moquettes, par contre, c'est une gamme plus au-dessus, avec des peaux de mouton, si je ne me trompe pas, qui est très demandée, mais par les femmes. On utilise beaucoup dans les chambres à coucher, de couleurs, tout type de couleurs. Là, j'en ai plus, rupture de stock, mais c'est très demandé. Quel conseil me donneriez-vous pour l'entretien, si jamais un vin tôt, après une soirée coquine, à du Karcher. Comment expliquez-vous l'expression « fumer la moquette » ? Fumer la moquette, okay. Parce qu'on la roule, tout simplement. Rouler le bédo, rouler la moquette, tout ça. Fumer la moquette, la moquette ne se fume pas cette moquette-là. Et à quoi pensez-vous quand vous vendez de la moquette ? À la douceur du produit. Avez-vous de la moquette chez vous ? Ah non, certainement pas, je suis pas si folle. C'est très très sale, ça garde toutes les saletés. Est-ce que vous-même, vous avez de la moquette ? Chez moi ? Non. Très important. Et sur vous ? Pour une chambre à coucher, que proposez-vous pour stimuler les ébats ? Quel type de moquette ? Les ébats. Les ébats. La plus douce possible et la plus épaisse. Sinon après c'est celle-ci, du vieux. Celle-ci. Parce que sinon ça peut irriter le genou. Ah, par exemple. La moquette peut aussi servir à retrouver son chemin. Tu es le nuage qui cache mon soleil. Tu es ce que le mousseux est au champagne. Tu es comme un bout de persil sur un sourire éclatant. Tu as une haleine de jeune bouquetin. Tu es comme une averse de pluie.